Pour inaugurer cette nouvelle séquence sur le match d'Orléans, j'ai choisi le but d'Anthony Le Tellec, qui symbolise le travail qui a été fait par toute l'équipe, qui plus est sur un match à l'extérieur. J'ai beaucoup insisté sur cette séquence, sur ce qui s'est passé avant le but et sur ce qui se passe après, parce que les deux sont hyper importants. Donc quand on regarde, hein, en tout il y a 1 minute 15, mais ça part d'une action offensive d'Orléans, où on défend bien sur un centre, et puis après c'est un ballon qui traîne, où Lucas Touzard le dégage comme il peut, mais c'est aussi ce que le coach avait demandé, en disant bah, les ballons qui traînent, bien défendre, c'est l'envoyer là où l'adversaire peut pas le jouer. Et puis après on a toute l'équipe qui accompagne le bloc, malgré l'état du terrain, on arrive à conserver le ballon, on arrive à renverser le jeu. Et après, au départ de l'action, ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est une phase que le coach avait travaillée cette semaine. Et c'est Loge qui prend sa chance, hein, de 25 mètres, qui frappe. Et là aussi, c'est ce que le coach avait demandé, c'est qu'on puisse accompagner les actions. Donc Opa récupère le ballon. Angelo qui centre en première intention. Et puis après, voilà, on connaît la qualité d'Anto devant le but. Il la reprend en une touche. Ça va en pleine lucarne. Et ce qui est hyper important pour moi, enfin pour nous en général, c'est ce qui se passe après. C'est que Anto, il vient fêter son but avec tout le monde. Il vient fêter le but avec le banc. On voit que tous les remplaçants, généralement c'est des bons signes ça. Voilà, on a tout le banc qui a explosé quand on a marqué. Il n'y a pas eu de déception. Là, Anto, il vient célébrer ça avec ses copains. Tout le reste de l'équipe vient. Donc ça, c'est bien. On l'a même trop célébré parce qu'on a mis du temps à se remettre en place. Et du coup, Orléans a une occasion juste sur le coup d'envoi. On a réussi à faire de belles séquences de préparation avec des choses simples, hein, du jeu vers l'avant, ce que David demande aux joueurs. Une mi-temps à Clermont, là ça dure un petit peu plus d'une mi-temps aussi à Orléans. C'est validé par un but, ce qui n'avait pas été le cas à Clermont. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que ça dure une heure et demie. Ça dure une heure et demie parce qu'on sait très bien que les valeurs que les joueurs ont mis dans ces deux matchs-là, sur l'état d'esprit, voilà, ça doit être notre fonds de commerce, notre base de travail. Maintenant aussi, on sait pertinemment aussi que si on veut aller plus loin, ça passera aussi par le jeu. Voilà. Donc en peu de temps, les joueurs ont fait de belles choses. Maintenant, il faut que ça dure un peu plus longtemps. Voilà, il faudrait que ça dure une heure et quart contre trois, ce serait très bien.